Bonjour à tous. Merde, je suis en train de crever de faim actuellement. J'ai plus que 20 pains, c'est pas grave. Vous allez voir, on va faire des trucs. Ah non, je vais avoir besoin de la farine. Alors attends, on va commencer par le début. Je veux XP. Je veux XP, je suis niveau 22, j'aimerais bien up niveau 25. On m'a fait remarquer que les éléphants, ça donnait beaucoup d'XP. Du coup, je vais level up, comme ça je débloque un tiers supplémentaire. Ou est-ce que c'est juste là? Tiers 3. Ça je veux. Moins de défense mais beaucoup plus d'attaque. Donc why not? Du lifesteal, pourquoi pas. Et à chaque fois que j'attaque, mon attaque augmente jusqu'à ce qu'il y ait un ennemi qui me touche. Les trois votent très bien. Donc je vais up ça. Et après il y a moyen dans un épisode futur que je sois en mode... C'est où? En mode reset. Parce que je peux reset pour zéro. Et peut-être que je me focus sur un mage. Qui sait? Pour le temps d'un épisode. Ou un ou deux. Alors là, il y a un boss, enfin un mini boss. J'ai une rapière. J'ai une rapière. Alors il faut que je teste par rapport à ça. Parce que ça fait 200 quand même. Mais rapière 180. Hein. Donc à voir. Tier 7, les deux sont tier 7. On va voir. On va voir ça tout de suite. Hey, bro. Bro. Bah alors. Attends, mais dis pas que c'est un vrai caillou en fait. Mais jamais c'est un vrai caillou. Il se fout de ma gueule. Ah ouais? Donc je viens vraiment de parler à un caillou là? Ok. On va se faire 2-3 champs, on va craft, on va peut-être se faire un début de maison. Parce qu'ils ajoutent... D'ailleurs, ils ont pas ajouté des petits murs et tout. À chaque fois, ils ajoutent des trucs. Ça. Oh. Ah, stylé. J'avoue, c'est stylé. Je sais pas ce sera quoi mon sol. Ça dépend pour une petite forge, par exemple, ce sera du... de la pierre, genre. Ah, oh, il y en a un là. Ok, ils sont là. Alors, déjà on va manger. Je vais enlever mon skill. Où est-ce qu'il est? Je vais mettre celui-ci. Voilà. Rapière. Alors, je fais pas énormément de dégâts. C'est vrai que je peux me boost là en fait. Non? Ah non, c'est qu'avec les armes à deux mains qu'on peut se boost. Ah du coup, bon, j'ai vu des meilleurs dégâts, mais... Attends, j'aimerais lui mettre un combo, c'est possible. Aïe. Ouais, est-ce que c'est vraiment le plus efficace? En vrai, putain, il fait que de tourner. Ça fait du 200, 200, 250 assez rapidement. Mais est-ce que ça le fait encore plus rapidement? Ça, c'est la question. Attends, mais c'est pas une épée à deux mains, ça, en fait. Merde. Bah du coup en fait c'est celle-ci qu'il faut que je garde. En fait l'épée de cochon en or que j'ai, c'est un PNJ qui me l'a donné. Enfin qui, ouais, contre 25 000 pièces d'or quoi. C'est un don mais un petit peu spécial quoi. Attends bro. Je veux juste lui apprendre un peu le respect. 94 XP, hein. C'est XP bien mais il faut que j'arrive à les attaquer bien plus rapidement là. Non, je vais pas le fight comme ça. C'est pas très beau. C'est pas très glorieux non plus. Oh, 195, ah ouais? Il y a moyen de faire mal en fait. Genre, je le rush comme ça, j'enchaîne sur ça. Peut-être un petit combo. Aïe. Allez. Putain, ce serait bien qu'il m'attaque, mais... Enfin, il m'attaque, mais juste, il avance, quoi. XP, j'avoue que up 125... up 25, ça va être un peu long. Bon, au pire, je tue quelques éléphants, ok. Et on se retrouve juste après. Je me demande si je peux en attaquer deux en même temps. Ah oui, ça marche! Regardez la technique! Ah merde, du coup il y en a deux qui sont contre moi là. Allez. On le finit, on level up. Il s'est rien passé. Merde! Ça va être très très compliqué. Oh non, non, bouge, 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 bouge! Oh, tu tombes bien! Non, non, reviens là! Ça va bien se passer! Allez, donne-moi ton XP.
S'il te plaît. Non, pas par là. Pas par là. Arrête. Oh, vas-y. Oh, putain, je l'avais pas vu. Non, 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 non. Du calme. C'est bon. 3 XP. Ah, ça suffira jamais. Réparer. Alors, je pense que ça le fait, hein. C'est bon. Tac. Oula, il m'en veut. Oh non, non, non. Attends. Oh putain, l'esquive. L'esquive que je viens de taper. Allez, ça part. Et merde. Et c'est compliqué quand même de tuer ces trucs là. Oh, reste pas devant par contre. Oh, c'est bon, level up. Il m'a pas tué. Bon. Juste en comparaison. 9 XP, ouais, c'est ça le problème. Alors du coup, j'ai quelques cils. Je suis pas à 25, mais peut-être que ça suffira. J'avais dit peut-être de l'archerie, hein. Du coup... Jumping shot peut être sympa aussi. Allez. Voilà. Alors. Max level 6, level 6, level 6. Ok. Chaque fois que je touche. Je pense que je vais faire ça. Un petit passif. En vrai, il faudrait que j'améliore ça et ça. Et peut-être ça aussi. Oh, il y a des petits shoots à l'arc après. Hein. Bon, je pense qu'on est pas mal. On expère un petit peu. J'ai plus d'armes de toute façon. Alors du coup, je vais attendre qu'il fasse jour quand même. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ici, dans mes coffres, tout ce que j'avais sur mon île de départ. J'ai aussi absolument tout ici. Et il va falloir que je me trouve un petit endroit. Pour soit faire la maison, soit faire un endroit crafting avec une forge et tout. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Il y a beaucoup de champs, j'aimerais les regrouper. Donc je vais juste voler un petit peu tous les champs qu'il y a dans les alentours. Où est-ce que c'est? Est-ce que ici je garde pour faire mon champ? Voilà. Pour l'instant on est bien. J'aimerais avoir un autre puits. Et c'est vrai qu'en haut aussi il y a des champs en fait. La maison au dernier étage. Ensuite la forge qui est en dessous. Les champs. À l'étage encore en dessous. Franchement. Mais ici c'est un bon endroit pour une maison. Regardez, il y a le chemin là. Gratuit. Je vais la faire là. J'aurai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire dans cet épisode. C'est fou. Par contre, dès que je trouve un bâton de mage, je reset mes skills. Et j'apprends la magie. Comme ça on voit un petit peu ce que ça vaut. De toute façon, en vrai je peux voir. Ça j'en ai pas besoin. Déjà. Donc j'aurais juste besoin de débloquer les tiers 4. Après, est-ce que j'aurai assez pour débloquer? Ah, il me faut 12 points en plus. Faudrait peut-être que je reset un peu plus tard. Hein. Météore, pluie de météore. Oh, et une chaîne, nice. Comme dans The Gamer. La chaîne de mana qui la prend. Je suis en train de me les regarder, c'est trop bien The Gamer. Ouais. Du coup, faudrait que j'attende d'avoir assez pour tier 4. Après, j'ai mis 2-3 points là-dedans. Ah, hein. Ouais, vraiment 3 en fait. J'ai mis 3 points. Ouais, c'est pas fou. Ici. Aïe, mais arrête. C'est pas vrai ça. Du coup, là, il y a ma maison. J'arrive, boum. Il y a des puits. Et là, je veux des champs à perte de vue. Par contre. J'aimerais qu'il soit pas comme ça. What? Pourquoi ça fait ça? Ah, je peux pas les mettre. Je peux pas les mettre correctement. J'ai pas envie d'en faire n'importe où des champs en fait. Pour l'instant, je vais rien faire. Pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, il y avait une strat pour alimenter les deux. Mais faut qu'ils soient... Ah ouais, ok. Très bien. Merci. Bon bah ça va. Pas trop dur. Pour le coup, c'est vraiment gratuit. Nickel. Je sais pas s'ils ont changé ça. Est-ce que je peux les arroser encore? Non.
Y a pas un meilleur truc pour ramasser les plantations là? Genre dans la magie. Est-ce que ça ramasse ça? Ah, oh, dommage. Bon, je récupère tout. Hein. Ça fait une petite base. Il faudrait que je fasse une autre, même d'autres types de plantations. Ah, mais là, c'est que du blé, en fait. Faut que je me fasse un truc automatisé de blé. Je sais pas comment on peut faire ça. Mais je sais qu'on peut le faire. Du fer, du sable. Ah, il faut quand même du blé pour ça, ok. Fer et sable. Alors, c'est très très simple. Je crois que c'est juste là. On va prendre tout ça. Et le sable, il devrait être à côté. Parfait. On va aller se craft quelques plantations. Alors, workbench. Oh, déjà, c'est vrai que j'aimerais bien avoir 2-3 trucs comme ça, là. Allez, c'est gratuit. Ça, c'est bon. Ensuite, plantation. 20. 20, ça devrait suffire. Voilà. Là, on est bon. Créer une plantation. Water the plantation. Ouais, ça va le faire. Et il faut des graines. Alors, ça, vous savez ce que c'est? C'est les villageois qui, depuis que je suis arrivé dans le village, décident de suicider à tour de rôle dans la rivière. Regardez, là, là on voit des chaussures, là, non? Ah non, c'est les pieds. Le villageois est dans le mur, en fait. Du coup, il lâche des œufs. Et on voit qui va être le suivant. What? Eh bro, le tournage de Spider-Man, c'est pas ici, hein. Qu'est-ce qu'il veut, le bouffon vert? Donc, plantation. On y arrive. On y arrive. Par contre, c'est absolument pas dans le bon sens, ce truc-là. Où est-ce que je vais les faire? Un nouveau voisin? Est-ce que je peux les faire les plantations ici? Ça peut être bien là, non? C'est un petit peu mis à l'arrache. Ouais, je pense que ça passe. Ah merde! Ah oui, c'est un peu chiant ça. J'ai 2-3 voisins effectivement. J'avais complètement oublié. Après, il faudra juste mettre des murs, hein. C'est pas très grave. Ils vont pas trop me saouler. Plantation. Attends, je vais peut-être en refaire, mais un peu plus en hauteur, par exemple. Oula. Par exemple, ici, voilà. Ici, c'est pas mal. Je sais pas ce que je vais mettre exactement, mais ce sera des bonnes graines. Ah oui. Ça, c'est pas mal. Alors j'aimerais juste... ouais, la route. On va arrêter de déconner. C'est possible. Bon. Donc là, il me faut des graines. Putain, j'ai pas récupéré mes graines. Ah mais oui, je suis allé voir les mecs qui se noyaient dans la rivière. Et du coup, j'ai oublié de prendre mes graines. Il y en a beaucoup. Hein. Alors. Déjà... ça. De la pomme. Ensuite, de la pomme encore. Attends, mais je peux peut-être faire de... ouais, je vais peut-être déconner. Si je fais ça, est-ce que ça marche sur les deux? Comme pour l'eau. Ah merde. J'ai gaspillé 2-3 trucs du coup. Tac. Maintenant, il faut de la flotte. Allez, patate, ça part. Alors, on a les bananes ici, les haricots à gauche. On a... je sais même pas ce que c'est, ça, c'est... c'est des sacs. C'est de l'engrais? Non. C'est pas comme ça qu'on fait de l'engrais. Et ici ça pousse ou pas? Ouais. Bon. Oh non. Attends. Je crois qu'il y avait un truc. Voilà. Mettre un ennemi en feu. Oui. Alors, je pense que j'ai réussi, mais c'est étrange. Ah, il me faut peut-être un skill pour ça. Non?
Ah non, je sais. C'est ça. J'ai une flèche comme ça. Je sais pas, je les drop sur quoi, peut-être un chaman. Attends, mais c'est pas normal qu'il se balade dans le village, lui. Il va falloir mettre des murs. Donc j'ai une flèche de feu, hein. Il faut pas que je rate mon coup. Hop là. Ça va, ça pique, hein. Allez, ça dégage. Alors, 10 000 damage, quoi? En une seule attaque. Mais c'est mort. Et refine, je sais plus, je sais pas ce que ça veut dire, refine. Je sais pas du tout. Par contre, attends, j'y pense, mais il faut que je les replante, là. J'ai plus de graines. Comment je replante si j'ai pas de graines? Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc spécial. Il va falloir que j'entoure tout le village. Donc que je farm. Évite de tomber là-dedans, s'il te plaît. Merci. Oula, 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 oula. Bon, ça marche, hein. Il faut que j'arrive à faire ça. Bon, vous savez quoi? Il va me falloir des trucs comme ça, peut-être. Je sais pas ce que je dois faire, là. Alors, ça... Arrête! Ça, on le met là. À chaque fois, il tape les objets que je craft, là. Ah oui, des barrières. Des barrières, il faut que j'en fasse encore plus, je pense. Oh, il y a des barricades, parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Allez, ça je fais. Alors, petite barrière. On est d'accord que tout ça, ça doit dégager. Déjà, je vais dégommer les arbres. Ah, quoique, c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait pas mal les arbres. Ça fait beau. Je sais pas si on peut les replanter plus tard en plus. Bon, ça, ça dégage. Ensuite, ici j'aimerais bien un petit élevage. C'est-à-dire que là j'ai des plantations. Ah merde, ça s'attache pas. Après ça va comme ça, non? Remarque, c'est tant mieux, hein. Tu peux custom un petit peu plus le truc. Parfait. Alors là, ça peut pas mieux tomber d'avoir un poulet aussi crétin que ça. C'est notre premier spécimen, du coup. Pour notre plus grand bonheur. Enfin, je crois. Ah, faudrait que je ferme ici, mais en vrai, bon. Voilà. Petit enclos. Ça commence à être bien. Et en vrai, je tourne depuis 45 minutes. Mais vous savez quoi? On fait la suite dans le prochain épisode. Moi j'enchaîne direct. Mais sinon ça va faire des épisodes à rallonge et tout. En fait c'est bête, je peux pas appeler cet épisode agriculture. Parce que là je vais continuer l'agriculture en fait. Comment je vais appeler ces épisodes? Je sais pas. Pire découverte de l'agriculture. Et puis le prochain épisode sera suite de l'agriculture. Puis après ce sera on continue l'agriculture. Et puis fin de l'agriculture. Ah, ça va être long. Bon écoutez. Merci d'avoir regardé cette première partie. Moi j'enchaîne direct sur la deuxième. Et rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao.